Il y avait une fille ici. Regardez bien là, les deux premières illustrations du groupe A. Ils ne sont pas avec les autres groupes. Cette activité est seulement pour le groupe A. Ok. C'est quoi la première question? Qui peut me dire? Allez, vite. Lis la question. Alors, moi, je vais lire la question et vous allez. Après avoir regardé la vidéo, de quoi la vidéo s'agit-il? Allez. La circulation du sang. Très bien. La circulation du sang où? Dans le corps. Dans le corps? Dans le corps. C'est dans les vaisseaux sanguins. Dans les vaisseaux sanguins. Très bien. Regardez bien la deuxième illustration. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez regardé ou observé dans la deuxième illustration? Je fais comme ça.
Ok, je jette de l'eau. Je jette de l'eau. Et puis, l'eau et les pierres avancent en avant. Ok, alors, à votre avis, vous, qu'est-ce qui veut pousser les sédiments en avant? Le pied, c'est une substance liquide qui va pousser les cellules en avant. Vous voyez, lorsque le sang bat et propulse le sang, okay, il va avoir une matière liquide qui va pousser ces cellules en avant. Ok, c'est pour cela. Alors, il y a les globules rouges à l'intérieur du vaisseau sanguin et il y a un liquide. Ok, ce liquide. Alors, les globules rouges, ce sont les cellules. Ok. Et il y a aussi ce qu'on appelle le plasma sanguin. C'est ça ce qui fait avancer les cellules en avant. C'est bien. Ok, là, nous sommes encore dans le deuxième vidéo. Dans l'illustration 3 et dans l'illustration 4, okay, décrivez par vos propres mots ce que portent les caractères rouges sur le dos. Des bulles. Okay. Alors, à quoi ressemblent ces bulles? Ce ne sont pas de l'oxygène. Ce sont des bulles bleues, c'est du dioxyde de carbone. Okay, alors les globules rouges vont transporter le dioxyde de carbone. Regardez bien, à votre avis, où vont les caractères rouges? En poumon. Très bien, pourquoi? Activité 3. Alors les élèves, on a dans le sang, alors nous connaissons maintenant les globules rouges et les globules bleus. Et les plasma. Et le plasma, ok, qui va les pousser en avant. Maintenant, groupe 3, ok, vous pouvez observer les trois illustrations. Est-ce que les caractères rouges circulent-ils seuls? Non. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? L'oxygène. Des nutriments, ils ont des formes, des plusieurs formes. Vous l'avez vu dans la vidéo. Des nutriments, okay, parce qu'il y avait ici un caractère rouge qui voulait attraper ce nutriment et le manger, mais il y avait la police. Il y avait la police qui l'a interrompu. Très bien. Décrivez les caractères rouges, illustration 3. Dans l'illustration 3, là, écrivez-les. Que font les caractères rouges? Très bien. Bravo, quand ils grandissent, pourquoi? Oui. Qu'est-ce que les plaquettes vont faire? Ils ont l'enlevé.
Que font les plaquettes à votre avis? Elles, du plat de mon